Hello, bienvenue sur la chaîne de Feuer, j'espère que vous allez bien par cette chaleur. Nous continuons Monster Trains. Alors, nous allons, je dis bien nous allons, essayer de battre le rang d'Aliandis. Ça fait deux fois que je me fais claquer avant même d'arriver à Séraphin. Et une fois où j'ai bloqué à Séraphin avec les Umbras, si je dis pas de bêtises, j'ai envie de rejouer les Cornus. Parce que j'ai fait qu'une partie avec eux et nous allons jouer les Éphémériens avec. Parce que c'est un combo je trouve assez drôle parce que les Cornus ils ont très souvent des grosses unités à peu de points de vie, du coup je trouve ça drôle de faire de la reformation. Alors nous commençons avec deux Diablotins en mu, deux Lumignons et un Bélier, on a vu mieux. En boss, Talos, les unités ennemies entrent avec Rage 2 et gagnent de l'armure après chaque élimination, fait le bouclier anti-sort 5 et donne de l'armure aux unités ennemies et Séraphin le zélé. À chaque tour inflige destruction au premier sort joué. Alors je l'ai pas eu trop souvent, le zélé. Mais ça peut être très emmerdant sur mon paquet où je joue beaucoup la réformation. Oh alors, faucheur. Faucheur, je dis oui. Beaucoup d'attaques, peu de points de vie, mais un bonus si jamais tu fais le premier sort. Cendre des disparus déclenche les capacités invocation une fois supplémentaire. Alors j'aurais Diablotin, je l'aurais pris, sauf que c'est pas du tout mon but avec les éphémères. Petit plaisir angélique, les unités ennemies gagnent moins 1 d'attaque. Et nous n'allons pas toucher à l'aubaine divine. Amulette agressive, les unités gagnent plus 4 d'attaque, ça me dérange pas. Le but c'est de reformer un max. Qui veut gagner de l'argent en masse? Ah, 25-6, du coup, il va falloir sacrifier un steward. Tac et tac. Petit diablotin. Ça clean. Petite boule de feu. Ça clean. Tiens, on veut donner de l'attaque au... Non, mon big boss. Histoire que je puisse vite le reformer au prochain tour. Non, on veut pas le jouer. Sinon, je vais l'avoir à chaque fois que je vais tenter de reformation. Alors, tac. Nous récupérons donc le prince, on va lui mettre le mignon. Petite boule de feu, petit diablotin pour tanker, et ça, ce sera notre premier combat. Plutôt correct, hein, ma foi. J'ai vu pire. Un passage secret. Ouais, allez, passage secret. Surlustration, consommation, ouais, les unités gagnent consommation. Une mort écrasante? Ouais. Alors, on nous propose Synergie Smart Oreille Brut de Paraffine. Puisqu'on va jouer Reformation, on va prendre le Smart Oreille. On va essayer de se débarrasser très vite des Stewards hein, dès le début. Parce que. Faut le savoir. Plus on a des Stewards. Oh, jumeaux. Ah non, Légion de Cire. Oh, c'est la carte qu'on avait débloquée la dernière fois. Oui. Alors, 4 de capacité, 2 de braise. Alors, extinction. Invoque 2 jumeaux de Cire et confère les améliorations et modifications de statistiques de cette unité. On va prendre Légion de Cire. Invoque 2 paillettes de Cire. Ah oui, donc en plus, ils ont pas consommation, les jumeaux. Ah, c'est trop cool. Trop cool. Oh, ouf. On va faire une 23-48. C'est sympa. Par contre, t'apprends un étage entier. Hein. Alors, donner 5 d'attaque, 5 points de vie, une consommation 1 au Martyreil. Je dis oui. Rappelons-le, le but c'est de faire tourner le paquet. Et le paquet, c'est la réformation. On va virer un steward.
Vu que nous n'avons pas eu la chance d'avoir un temple divin sur le premier arrêt. Marque d'invasion ? Bon bah oui ! Ça fait mourir plein d'unités, j'aime bien la marque d'invasion. Hein. Ou alors lui. Ah ça va chez Diablotin. Ouf. Alors en vrai, si, s'il passera pas un tour. Par contre. Ah, je suis obligé de le jouer ici en plus, sinon je prends excessivement cher. Bon bah tant pis, Mortebraise. Je peux le mettre ici pour faire un peu de dégâts. Nous n'aurons que deux braises pour le prochain tour à cause du rang d'alliance, 10. Ça commence à faire une sacrée liste hein, quand même. Hein. Ouais, ah, ça fait mal. Hein. On peut jouer un Martoreille en première ligne. Voilà. On va éviter de faire Steward pour les raisons que j'ai invoquées précédemment. Ah bah ils ont zéro. Vu qu'ils sont tombés à rage 0 que j'ai le petit plaisir angélique. Ça c'est métal. Martoreille. Consommation 2. Ah il y a le boss après. Ah chier. Ok. Ah. Ouh, ça peut faire 120 de bélier. Si je fais un passage secret. Comme ça au moins il aura pas célérité. Après je m'en fiche que eux ils meurent. Oh parfait. Dommage, bélier tombait bien pour une fois. Il fallait que je m'occupe pressamment du mec qui donne célérité, c'est plutôt embêtant. Oh là là, ne donnez pas les diablotins, hein. Nom de deux, nom de deux, hein. Allez, les diablotins m'emmerdent, hein. C'est comme les stewards. Pas intéressant de reformer une unité comme ça. Hein. Vraiment pas du tout. Bah l'étage est plein, je peux rien faire. Je rêve. Ou les jumeaux qui sont sortis de la Légion, ils avaient encore extinction. Alors, reforme unité. Attends, j'en. 4, j'en ai déjà 4. C'est beaucoup. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. La Légion. Ah ouais. Ah mais c'est une hydre en fait. La Légion, ça crée deux jumeaux. Et les deux jumeaux, quand chacun d'eux, quand ils meurent, ils font une paillette de cire. Oh, oh c'est une unité de fou. Ah, je pourrais tenter de dupliquer les jumeaux. Oh, j'ai le temple divin en plus. Allez, on fait ça. Après... Ouais, mais les jumeaux, ça va leur donner consommation 1. Du coup, ça va être casse-couille. Je préfère... Qu'il soit solide. Oh, quoique. Attends, les essences du Martoreille, c'est juste l'armure. Hein. Ah ouais, merde. Se déclenche lorsque cette unité est jouée. Du coup, si je donne l'invocation à la Légion, ça marche que quand elle est jouée, mais ça marche pas sur les jumeaux, parce qu'ils sont pas considérés comme joués. Oh, quoique. Quoique. Ah, je sais pas, hein, c'est chaud. Hein. Non, on. Steward. Vas-y. On va jouer simpliste. Parce que là, c'est une mécanique que. J'ai jamais vu le coup de la Légion comme ça. On va tenter les cavernes dissimulées et on dupliquera les. La Légion en espérant choper un truc cool.
Purger une unité, obtenez... Ah oui, oui, c'est... Alors, qui... Quoi purger? Parce qu'on va récupérer le sort plus tard. Ou l'unité. Et là, soyons honnêtes, c'est un sort que je vais virer. On va purger un lumignon. C'est pas un sort vital. Mais je suis quand même très curieux si on pouvait me donner une version améliorée pour plus tard. Bah, dupliquer Légion. Hein. Ça se trouve, ça va être une run où je vais me casser la gueule encore. Mais je veux juste faire des Légions. Je trouve ça tellement drôle. C'est dommage qu'ils prennent autant de place. C'est le seul reproche que je ferais. Ils étourdissent, hein. Enfin, il étourdit ou c'est celui où il gagne... Non, il gagne l'armure. Bon, écoutez, bon, ce sera un premier jumeau. Récupérons le Martyrail, s'il vous plaît. Voilà, tout meurt. Attends, alors 8 x 2, 22. Après, je peux tenter de faire monter. Ah non, mais il tape que 2 fois. Je peux faire monter et faire un diablotin. Faut vraiment que je purge très très vite. Ah ouais, il va le tuer? Comment ça? Ah! Donc quand il meurt, les unités qui sortent de lui jouent leur tour immédiatement du coup. C'est fou! Bien fait une mort écrasante, hein, juste pour lol, mais j'ai peur de tuer une de mes grosses unités, donc ce sera un bélier. Ouais, oh, il joue un tour tout de suite. C'est démentiel. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou, 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 fou. Je peux faire des jumeaux partout. Pas d'armure, pas d'armure. Ah, ils m'ont donné 3 sorts, vous êtes sérieux? C'est quoi ça? C'est du popo. Je vais faire monter mon champion. Juste parce que j'ai la haine, voilà. Mais non. C'est fou. Oh là là. Oh, la Légion qui est buffée en plus. Quoi. Le truc qui est démentiel, c'est que quand il meurt, eh ben, il gagne de l'attaque. Vu les améliorations que j'ai mis dessus. Oh, c'est une hydre. Ah, j'en ai besoin que d'un. Pour buter Talos. Et juste un, ça m'a suffi. Démentiel. Confère de la rage et de l'armure. Non, non, mais on va purger les cartes. Hein. Là, j'ai trop. Élimination, confère rage 3 unités.
Consommation 2 et frappe confère rage 3 aux unités alliées avec consommation. Hey! Ouais, mais il n'y a pas la place. Capacité. Parce que les jumeaux prennent un étage entier. Faudrait que je puisse arriver à faire quelque chose avec. Alors l'huile, c'est un peu gadgetos en vrai. Cornu. Plus 30, c'est sympa, voilà. Ça, on le posera. On va le poser sur. Poser sur le martyrail. Allez. Violent, hein. Alors, Vortex, nous disions donc virer. Oh, faut que je vire les diablotins. Les... J'ai 4. J'ai 6. J'ai 8 cartes à virer en vrai. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Élimination plus 20 d'attaque, faucheur 2. Après, armure 10. Oui, mais le but c'est qu'il meure. Et qu'il fasse beaucoup de dégâts. Donc. Armure. Oh non, je peux mettre une autre pierre d'immensité sur un. Sur une déchanteur. Ce serait dégueulasse. J'ai pas genre frappe multiple en vrai. Ce serait juste ouf. Suffisait de demander. H7. On va purger un steward. Ça me coûtait cher, mais je pense que le paquet vient de monter fortement en synergie et en puissance. Les ennemis, on entre avec épine 4 pour un artefact aléatoire, je dis oui, 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 oui. Bah, ils font 0, du coup. Oui, hein. C'est dommage pour l'élimination précoce. Parfait. Ah non, pas de... Ah si, j'allais dire fuck, pas de réformation, c'est vraiment embêtant. Alors que Minou, il brille dans le noir. Petit diablotin. Un petit diablotin. Parfait, tout meurt. Hop, fin éliminant sur lui. Yes. On va pouvoir lui donner les minions en plus. Je reviens pas de la puissance des jumeaux de tiers, quoi. J'étais déjà très content d'unité qui se divise en deux en gardant ses bonus. Et en fait, c'est une hydre qui fait 1, 2, 4. C'est... La puissance est présente, ma foi. Ah, dommage, les minions, ça aurait été sympa. Épines sur le porc épique, ça blague pas. Hein. Non mais il meurt. Non mais... La Légion est capable de se manger des boss. Et elle était abîmée en plus là.
Légion de Cire, nom de dieu. Continuité... Ah oui, oh, elle est géniale cet artefact. Continuité allié meurt, confère plus 10 d'attaque à celle-ci. Génial dans le build de reformation. Joue de imp aléatoire à votre main, non. Confère rush. Hey, ça peut... Ouais, c'est joué de faire. C'est un truc qui se détruit. Reforme une unité et lui confère 10 en plus. Alors ça coûte très cher ça. Oh, on a les dédales sanctifiées. Ok, c'est GG. GG, AFK barbecue sauce on my titties. C'est bon. Alors, lui est mignon, il lui a donné quoi? Aide divine. Ajoute une copie à votre défausse. Non, mais vas-y, garde-le. Tu peux encore l'améliorer, frère. Y a pas de souci. C'est pas une carte qui m'intéresse de ouf. Alors, j'aurais aimé booster ma Légion de Cire ou des sorts. Mais les sorts, il y a le hit là-bas, alors que là, il y a un event et un duplicata. Allez, artefact. Ok, j'ai perdu. Au début du combat, piocher jusqu'à avoir 10 cartes. Ouf. Vert réfracteur, lorsqu'une carte avec destruction est jouée, restaure 5 points de vie au brasier. Alors, j'ai qu'une carte avec destruction et je viens de la piocher, donc ce sera les bagages perdus, s'il vous plaît. Allez, événement. Fais-moi rêver. Oh, le cache de gratitude si j'arrive à choper un truc qui augmente la mana, c'est rigolo. Ah, je peux dupliquer le truc qui donne l'or. Ça peut être intéressant. Elle coupait les cartes de sort en destruction ont 50% de chance d'être défaussées au lieu d'être détruites. Oh, chaufferie améliorée. Ah oui, chaufferie améliorée, on duplique le gage de gratitude et T1, on le fait. Allez. Ah non, mais là, le combo s'est posé devant moi. Amulette agressive, les 6 unités ennemies gagnent plus 6 d'attaque. Alors, c'est les gars avec dissimulation. On va rigoler. Ouf. Ah, je peux faire 400 d'or. Allez, 400 d'or. Boum. Alors, dissimulation. En vrai, on va jouer le prince en haut. Parce que là, les 3 premiers tours, ça va être chaud. Ça va être ultra chaud d'art. Je peux faire une petite légion de cire. Ah, je peux leur donner rage. Ah ah! Ah ah! Est-ce que je fais monter ma légion de cire? Elle sera positionnée derrière mon champion? Ah, ça changera pas grand chose à l'issue du combat. Bah, fudge! Eh bien, ce sera boule de feu. Et toi, ta récolte, hein? Ouais, donc ce sera boule de feu. Ok, bah pas cool. Parce que le brasier prend 28. Ah, j'ai été trop gourmand. Comme d'habitude. Je suis un cochon qui adore l'or. Légion de cire et je le tue avec une mort écrasante? Ok, donc là c'est bon. Là c'est survie grâce à la dissimulation. Non mais on va reformer hein. Je peux même pas utiliser mon champion quoi. C'est ridicule. Allez, attaque multiple sur la Légion de Cire, indispensable. Et la dissimulation 10, c'est de la triche. Ici, il meurt.
j'ai une question. Attends, ils ont 5 la Légion de Cire, ils ont 4, 3 les jumeaux. Du coup, si je le tue et que je réforme, il y a une chance pour que je fasse revenir une deuxième Légion, c'est ça que ça veut dire? Oh, on tente, hein, on tente. Oh, on a une Légion et 2 jumeaux. Oh boyo. Il meurt par la consommation. Mais ça fait perdre de la dissimulation au boss parce que pendant ce temps-là, il est bloqué. Oh, c'est fou. Jumeau de cire, c'est le behemoth des éphémériens. Ah, mais tue le boss, quoi. Sérieux? Pourquoi j'ai un champion maintenant que j'ai les légions de cire? J'ai réussi à avoir les légions plus dédale sanctifiées dans le même paquet. Et on est genre au cinquième combat. Non mais c'est ridicule, regarde-moi ça. Il va falloir que je sois très prudent sur mes points de vie. Hein. Alors non. Extinction invoque de Dresh. Réforme unité lui confère. Ouais, ça coûte trop cher tout ça les gars. Et le tombeau, pas très intéressant. Ah, il a fini d'améliorer ma carte. Qu'est-ce que tu lui as donné? Il a coûte 0. D'accord. Coûte 0 et s'ajoute une copie dans la défausse. D'accord. C'est des choses un peu plus jouables. Mmh. Oh, je suis pété de thunes, il y a un marchand de breloque. Ah, mais j'ai besoin de points de vie. Non. Ah là là. Ouais, mais les artefacts. Tant pis, l'avenir me dira si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Alors, qu'est-ce que je peux sacrifier? De la crotte. Mais tout le reste est boosté en fait, c'est ça. J'ai aucun intérêt. Ok. Événement. Montre-moi un truc rigolo. Recevez une carte cornue destructible aléatoire. Qu'est-ce qu'il y a comme... Les éveillés peuvent donner de la régénération, piétinement, à les cornues. Ajoute 2 imp aléatoires à votre main. Je passe. Non merci. Non non, pas intéressant du tout. Surtout qu'on me l'a déjà proposé celle-là. Entrave de moule. Les unités alliées gagnent extinction, confère armure 5 à l'unité alliée en première ligne. Ça c'est rigolo. Plume du traître, on n'a qu'une seule carte avec destruction, le sérum de rage. La corne unique conserve les braises restantes d'un tour à l'autre. Ouais, dans les tours où j'ai trop d'unités sur tous les étages avec les jumeaux. Enfin la légion, pardon. Allez, on renouvelle en espérant que la rage ne diminue pas sur les alliés. Alors la rage malheureusement, je n'ai qu'une seule carte. Et j'ai pas d'artefact qui donne de la rage. Ok, donc je crois que c'est la première fois que je ne prends pas la collection de queue. À noter. Plaquage précieux et flamme éternelle. Comme ça le brasier a plus de points de vie, les unités coûtent moins cher. Ok, bah let's go pour Fel. Qui donne armure à ses unités et ses gardiens qui ont barrière anti-sort 5. Oh mais ma première main quoi. Mais... En plus c'est ouf le fait de garder les braises d'un tour à l'autre parce que... Parce que j'ai la chaufferie améliorée qui donne 7 supplémentaires au premier tour. Et du coup, mes légions ne coûtent plus rien. Je peux gagner une quantité de pognon, mais complètement folle.
déjà reformé le Martorail. Oh, c'est n'importe quoi. Ia, ia. Faire une deuxième légion. Et on va leur donner le Luminouf. Lumino, il brille dans les noirs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tenter de drôle ? On pourrait faire un diablotin et faire un dédale sanctifié. Je peux faire monter une légion. Ah fuck, j'aurais dû faire le diablotin avant, je suis trop débile. Oh mon dieu. Bon, l'avantage c'est qu'il passe pas. Hein. Tiens, prendre la rage. Ia, ia. Putain, c'est le bordel. Oh, mais la Légion de Cire, c'est vraiment... C'est... J'ai l'impression de tricher. Après, c'est dommage, c'est pas celui qui a... Comment ça s'appelle? Ah fuck, j'aurais pas dû le faire à cet étage là, je suis débile. C'est pas celui qui attaque multiple, c'est fort dommage. Du coup lui il passe, et ça ce sera deux attaques, donc 12. Ça fait mal. Bah non, vaut mieux le laisser mourir. Après 10. Voilà, c'est juste pour le tuer lui, parfait. Ah, dommage, j'y passe. Hein. Allez, les statues plutôt emmerdant qu'on te fait, là, sachant que j'ai des unités qui prennent un étage en entier. Et plutôt compliqué de poser... Je peux lui donner un Luminou qui fasse un peu plus de dégâts. Là c'est plein, là c'est plein. Bon bah. Merci, au revoir. J'ai jamais tenté de purger une unité que j'avais boostée par un pacte. Est-ce qu'on perd des éclats si on le fait? Parce qu'en vrai, là, la Légion de Cire qui a pas frappe multiple, je serais limite tenté de la virer. Hein, c'est terrible hein, ce que je dis, mais. 74. Je peux faire un dédale. Hein. On peut se prendre 200 sèvres quand même. Faut vraiment que je vire bélier mes diablotins, hein. C'est plus possible. Hein. C'est pas encore la dernière vague. Je peux faire une purge à 480 d'or. Oh, c'est ouf. Je pense que c'est mon PB. Maintenant, c'est la dernière fois. Si je fais un dédale, les jumeaux vont remplir, donc c'est pas très... Ah, bah
Ils se font le boss. C'est le troisième boss quand même que les jumeaux se solotent. Et pas entièrement en plus. Le jumeau était déjà abîmé avant de commencer le combat, hein. Il avait déjà survécu. Non mais c'est n'importe quoi. Répète tous les effets invocation déclenchés depuis le début du combat. Chien noir. Confère plus 4x attaque. En vrai, en cumulant la braise, un crampon des cireux. Plutôt pas mal. En vrai, une pioche. Allez, pioche. Ok. Alors, on a beaucoup de sous. On va regarder si purger une carte avec les éclats. Non, ça retire pas les éclats. Très, très important. Ok, donc on va se soigner, on va prendre les artefacts. Bannière de l'enfer, histoire de cumuler à mort les braises. Les diables gagnent frappe multiple 1. Ce que vous appelez les diables, c'est les diablotins, j'imagine, dans la traduction. Alors non. Manière imprégnée, c'est un peu gadget. Collègue funéraire, pognon, je vois plus trop quoi en foutre à ce stade du jeu. Après, peut-être que si je chope un artefact qui fonctionne avec l'or, il y a moyen de rigoler. Allez, collègue funéraire. Mion, le champion, même s'il a malheureusement pas pu jouer. Mination plus 40 dégâts. Tac. Concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à améliorer? Il me reste une légion de cire. Un martereuil. J'en tiens un martereuil. Frappe multiple? Dommage. Là, ce serait une... Non, une autre pierre d'immensité. Le problème, c'est pas la durabilité de la légion, c'est les dégâts qu'elle fait. Moi, je veux frappe multiple. Allez, on va virer Diablotin. Le Steward. Attends, qui c'est que je peux encore buff? Il est buffé, il est buffé, il est buffé. Ok, non, on purge. Mais genre, on purge de ouf, là, par contre. Bélier, tu me verses... Alors, une boule de feu, tu me verses ça. Ça vaut rien, ce stade du jeu. 250 pour purger. Ah, j'ai pris trop de cartes, comme d'habitude. Marque d'invasion, 300-400. Non, mais l'or, c'est pas un problème, les gars. Là, faut gagner. Voilà. C'est ça, mon objectif. Ah la vache, 210 quoi. S5, S6. Petit bélier à 120 dégâts, voilà, comme ça il claque. Très très, très bon premier tour. Et le combo chaufferie plus bagage perdu, il est démentiel. Hein. Tu fais un départ, c'est dingue, c'est une dinguerie. Elle est lumineuse, il brille dans le noir. Je vais le garder en vrai. Je peux faire monter deux légions de cire au même étage. Ah.
Tac. Hop. Champion meurt. Ça donne des sous. De dégâts. C'est sympa. Alors on met dans une bonne position. 56. On leur donne les minions, histoire qu'ils aient une durée de vie assez basse. Le but c'est qu'ils se scindent, hein. C'est pas qu'ils restent en légion indéfiniment, c'est pour ça que j'ai pas mis la pierre d'immensité sur eux. Alors. Ah lui il va Clacos. Ah mais c'est en fin de tour, faudrait qu'il se fasse tuer pour qu'il joue un autre tour, d'accord. En haut, même argument, donc on va faire un passage secret, histoire qu'il puisse tout tuer. Qui vont cerner en 4, ça va faire 4, ok. L'idéal, c'est que je buff celui qui attaque multiple. Comme ça, celui de derrière se scinde et lui il continue à taper. Allez, boss maintenant. Dédale sanctifié, vu qu'ils sont sur le point de mourir de consommation. Bon, le premier a quand même 4. Parfait, il me l'a invoqué dans le bon sens. Ah ouais, mais si je fais mort écrasante, c'est stupide. Ah, j'aurais peut-être dû faire mort, moule. Ah, oh, je joue tout dans le mauvais sens comme à chaque fois. Le boss meurt, on s'en fout. Allez, let's go. Pourquoi s'acharner? Bon, je le fais des fois parce que c'est lol à cause du combo. Je veux voir les limites, par exemple, de capacité d'un niveau ou le nombre d'unités, enfin ce genre de choses, quoi. Alors que là, c'est de la folie. Hein. C'est n'importe quoi. Ah, les mèches sacrées. Ouais, mais j'ai trop de cartes. Je galère déjà. Sinon, je l'aurais pris en vrai. Oui, un vortex. Vire-moi ces boules de feu. Autant le bélier, j'arrive à le faire fonctionner des fois. C'est drôle, même s'il coûte cher. Alors, on a un marchand d'acier. Ah, c'est déjà Séraphin. Ah, bah, on va prendre l'or alors. Comme ça, je pourrais peut-être voir le boss si je tue Séraphin, Inch'Allah. Déclenche les capacités extinction une fois supplémentaire. Oh! Oh, c'est de la folie. On peut faire Légion de Cire avec 4 jumeaux et 8 paillettes, ça veut dire. Allez. Piège à vérin, ça fait 2. C'est vraiment gadget. Marchand d'unité. Oh oui, la frappe multiple. On l'a fait. Juste avant la fin. Oh, j'y croyais plus. Je me suis dit, laisse tomber, jamais je l'aurai. Et ben, on va renouveler pour les objets. Des fois, il y en a qui coûtent moins cher que les autres, mais ça ne sera pas le cas, malheureusement. De toute façon, j'ai plus rien amélioré. Ouais, plus d'un placement libre. Eh ben écoutez, good luck. Il dévore le premier sort qui est lancé. Alors, le must... Je réfléchis, hein, pas de panique. Le premier sort que je lance. Je peux jouer qu'une fois. Oui, mais il y a écrit « Ajoute une copie à votre défausse ». Du coup, ça veut dire que c'est une copie avec destruction. Et la réponse est... Non. D'accord. Bon, bah, très bien. Je vais vous croire sur parole, hein. Je peux faire un combo de fou. Je peux faire un passage secret et faire un dédale. Et on commence déjà les combos débilos. Enfin, déjà, on va faire ça. Si on faisait un dédale tout de suite. Histoire de bien commencer le combat, voilà, genre bien...
On se met, on s'ambiance. On s'ambiance bien. C'est n'importe quoi. Je me répète, hein, mais c'est vraiment... Faut s'accrocher. Hein. Ah, il a dissimulation de boss. J'ai déjà de destruction sur ce sort, donc... Après, virer bélier, je pense pas pouvoir poser mon Martyrite de toute façon. Je fais quoi? Je leur donne consommation tout de suite? Parce que ça, je peux jouer qu'une fois. De toute façon, il va mourir 21 x 2. Alors, je fais une mort écrasante. Tant pis, je la perds pour après. Non, je jouerai la, le crampon plus tard. Oh, quoique, maintenant qu'ils sont pleins. Allez, vas-y, fuck. Plus 48 d'attaque. Avec x2 en plus. Non mais, eh, franchement, choper l'éteint noir à cireux, juste avant Séraphin, c'était inespéré. Bah on passe hein, tout meurt hein, et tout est plein. Ah en haut va falloir que je rejoins une légion. Oh, ça me fait plein de sous du coup. Oh là si, le combo bombo est là. Hein. Autant eux je peux les faire durer encore un petit peu. Tumeur, hein. Non, on va reposer une légion. Hein. Pourquoi se prendre la tête, sincèrement? Tant pis, je perds le passage secret. Oi, 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 hein. Ah bah tiens, l'occasion de faire un bélier. Oh, 3 points de vie. Oh vas-y, fuck, je fais de toute façon, ça sert à rien d'autre cette carte. Ça me donnera l'occasion de spammer le Luminouf. Alors, quand un jumeau meurt, c'est considéré comme une invocation sur la bannière de l'enfer. Donc, quoi qu'il arrive, je gagne 6 par tour. Officiellement. Ce niveau atteint ses limites de cette unité. Tu m'étonnes. Ah, franchement, le zélé qui a dissimulation, je suis sûr, j'aurais pu le tuer. Ou au moins le mettre à 300 points de vie avant que le véritable combat commence. Ah, il perd que 244. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un Luminou. C'est pas démentiel. Alors, reforme. Mais il tape fort ce con. Ah mais c'est pas la dernière vague. Ah. Ah oui, il a plus de dissimulation. Il perd dissimulation juste avant la vague finale. Parce que j'étais là, je suis... Merde, sérieux, je le tue pas quoi. Si j'étais sur le point de faire un dédale, je fais... Ah bah, c'est triste d'en arriver là, mais s'il faut, quoi, il faut. Mais non, les 250 dégâts qui dépassent, c'est du bonus avant le véritable combat. Hein. C'est,
C'est le caviar. Oui, il meurt. Oui, voilà. Merci. Je fais même l'éclat vengeur, histoire de pas perdre de points de vie. Elle est vraiment top tier. Je m'attendais pas à faire un tel truc ouf. Oh là là. Oh. Le pire, c'est que quand il en tue un, il donne de l'armure à celui qui est encore vivant derrière. Grâce... Alors, je sais plus quel artefact fait, parce que j'en ai beaucoup... Ces entraves de moule. Abusé. Non mais... Mais les géants de Sir se sont solotés, je crois, 5 ou 6 boss. Ils seraient capables de recommencer avec la divinité. Alors mec, je sais pas dans quoi tu te... Tu sais pas dans quoi tu te lances, sincèrement. Damn. Bah, tous les étages sont complets, donc augmenter l'attaque des Luminous. Oh là 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 là. C'est un hachoir. Avec une carte. La puissance du truc. Le pire, c'est que ça sert à rien que je reforme. Tout est sur plein. Une capacité de au moins 8000. Oh là là, le boss se fait mais déglingo. Excusez-moi, c'est même pas un boss, c'est la divinité. Oh, mais il reste 7 vagues, j'ai déjà vidé les 2/3 de ses points de vie. Je pense que je partais pour jouer le prince de base et je me retrouve à jouer des légions. Incroyable, il meurt pas. Tiens, bon, on va faire un truc rigolo. On va booster tout le monde avec 25 de braise. On va leur donner plus 100 d'attaque x2. Ça fait 200, 200 x 7, ça fait 1400 de dégâts. Le boss meurt. Nom de Dieu. Le combo chaufferie plus corne unique qui permet d'accumuler des braises sur un sort à puissance X. Abusé, vague 6. C'est ma meilleure partie. Légion de Sire, je suis pas étonné. Quand je l'avais lu, je savais que c'était pété. J'ai senti le potentiel mémesque du build. Incroyable. Puis genre haut la main quoi, il y a aucune unité qui est venue à l'étage 3. Ah. Eh ben putain.
Rang d'alliance supérieure, rang d'alliance 11. Renouveler les articles des marchands coûte 20% plus cher. Ah, ça devient légèrement de plus en plus dur. Alors, pour tous ceux qui ont eu l'occasion d'avoir la Légion de Cire, je suis persuadé que vous l'avez maîtrisé très très vite, hein, parce que... Tac, cornu niveau max. Ouvrage de corne unique. Destruction, confère fragilité et frappe multiple à une unité alliée. Si cette unité perd de la santé, elle meurt. Mais c'est de la merde. Ça coûte 5 ce truc. Ça coûterait genre... 1, peut-être que je le jouerai. Bah c'est nul. Dès qu'il y a une unité avec épine, tu meurs. Dès qu'il y a une unité qui fait des dégâts à tout le monde, elle meurt. Résurrection sacrificielle. Destruction des cartes en main. Ajoute un dresh à votre main et confère plus 10 d'attaque pour chaque carte détruite. Je l'avais dit que les dresh s'étaient pétés. Les mecs, ils ont fait une carte où tu défausses toute ta main juste pour en invoquer un. Oh. Démentiel. Incroyable. C'est trop drôle parce que 2, 3, 4... 6, 7, 9, 8. Ah, mais ça. Les premières victoires, il n'y a que la cinquième où j'ai dû le refaire avec le même combo. J'ai dû faire. Attends. La 1. Ça se trouve. La 5 et la 6, j'ai dû la faire avec le même. J'ai dû faire éphémérien éveillé avec 5 et 6. Parce que ça retient ton plus haut rang. Incroyable. On a débloqué pas mal de choses. Bien écoutez, bah, franchement, je pense que c'était ma meilleure partie. Je sais que ça fait 2-3 fois que je dis ça, mais... Putain, la capacité de même de la Légion de Cire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la chaîne de Fire. Allez, ciao à la prochaine !